Bonjour à tous YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous rassure, je vous ai pas oublié pour la carte postale du Sri Lanka. Honnêtement, j'ai pas fait le tirage au sort, donc vraiment désolé. Alors, petite vidéo aujourd'hui en direct de l'Ardèche, une région fabuleuse. Pour moi, c'est la plus belle région du monde, mais voilà, c'est parce que j'ai grandi ici, enfin, j'ai passé mes étés ici avec mes grands-parents, donc c'est juste fabuleux. Petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer que finalement le bonheur en fait c'est des choses simples de la vie. Il y a beaucoup de gens qui sont trop matérialistes à mon goût et qu'en fait ils pensent qu'en travaillant 60 heures par semaine, en gagnant 3000 euros par mois, vous êtes heureux. Alors oui, avec l'argent tu peux acheter beaucoup de choses, tu peux acheter une belle voiture, tu peux acheter des belles lunettes, tu peux acheter des belles paires de chaussures. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'un sacrifice de travailler comme un, voilà, comme un chien, ça mérite vraiment une vie à ce niveau-là, enfin voilà, pour moi ça n'a pas de sens, tu vois. Les choses simples de la vie, c'est quoi? C'est faire une petite randonnée comme je fais aujourd'hui, en ce mardi 5 juin 2018, quand t'es entrepreneur, t'es totalement libre. Tu peux faire aussi, bah voilà, des partages, prendre un petit verre, aller au resto, tu vois, faire les choses simples de la vie, toi, se baigner dans des cascades. C'est ça pour moi la vie, c'est pas se tuer dans une tour à la défense, c'est pas se tuer au travail, c'est pas se tuer tout simplement à la tâche, tu vois. Pour moi, la vie, c'est faire du road trip, c'est voyager, c'est partager, c'est rencontrer des amis, passer du temps avec sa famille. Et les Kanaks en Calédonie ont tout compris là-dessus. Et là, dédicace à la Calédonie. En fait, j'ai discuté avec énormément de Kanaks, donc les locaux en fait en Calédonie. Donc il y a les Kanaks et les Caldoches, hein, bien sûr. Mais donc les Kanaks, en fait, ceux qui viennent d'origine de Calédonie, en fait, tout simplement, ils m'ont expliqué que mais finalement, ça sert à quoi de travailler toute la journée de 9h à 18h et de se tuer à la tâche et rentrer chez soi à 19h, lessivé, marqué, fatigué? Ça sert à rien en fait. Pour moi, la vie, ça devrait être juste de travailler quelques heures comme moi j'ai réussi à faire aujourd'hui. Je travaille en moyenne 3-4 heures par jour et le reste du temps, bah, je l'octroie bah, aux randonnées, aux balades dans la montagne. Quand je suis à Bordeaux, bah, je vais à la mer, tu vois, c'est juste fabuleux. Alors on entend un peu les voitures parce qu'on est au bord de la nationale. Mais voilà, en fait, c'est ça la vie, c'est pas se tuer à la tâche. Les gens qui passent leur temps à travailler, alors je respecte les médecins, je respecte les chirurgiens, je respecte les gens qui travaillent peut-être 12 heures par jour, c'est bien. Mais est-ce que tu penses vraiment que ta vie, elle a mérité ça, toi? Est-ce que tu penses vraiment que ta vie va défiler très rapidement et finalement tu vas te rendre compte que quand tu vas être vieux, tu n'auras rien fait de ta vie, toi? Tu vas passer 25 ans à l'école, tu vas passer 40 ans à travailler et ta retraite, ben, tu seras fatigué. Donc j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais là, je suis en train de vous expliquer que finalement, les choses simples de la vie, c'est profiter du moment présent, c'est pas après. C'est pour ça que j'encourage les jeunes à partir en working holiday visa. Tu vois, tous ces jeunes qui ont 18-30 ans, à partir, et même ceux qui ont plus de 30 ans, vous pouvez partir au bout du monde, partir voyager. Il y a plein de gens sur mon groupe Voyageurs autour du monde et blog, des familles entières qui partagent, qui vendent tout. Et c'est ça le bonheur. Le bonheur, il se situe exactement là, pas dans le côté matérialiste, dans le côté argent. C'est bien beau d'avoir 500 000 euros sur son compte, mais ça, tu ne pourras pas lâcher, toi, actuellement. Parce que derrière, tu es actuellement derrière ton écran. Tu perds ton temps. Ton temps, tu ne pourras jamais le retrouver. Le temps, c'est incompressible. Tu rattrapes jamais le temps perdu. Donc pour moi, je préfère peut-être être moins riche et profiter de ces moments présents. Tu vois, faire des randos, passer du temps voilà, avec la famille, tu vois, parce que ma grand-mère n'est pas éternelle. À 93 ans, tu crois vraiment qu'elle va vivre encore longtemps? Faut être réaliste, toi. Et c'est ça pour moi. Là. Si par exemple, j'étais pas entrepreneur, je ne pourrais pas venir comme ça en pleine semaine. Et ça n'a pas de prix, toi. Parce que c'est bien beau de cumuler des centaines de milliers d'euros. Mais ces gens-là, bah, ils vont disparaître un jour, toi. Ta famille, elle va disparaître. Tes amis ne sont pas éternels. C'est ça que je voulais vous faire passer comme message. Voilà, j'espère que vous êtes d'accord avec cette vidéo. N'hésitez pas à réagir sur YouTube. C'est vraiment une petite vidéo. Voilà, pour faire une petite dédicace de l'Ardèche. Peut-être qu'il y a des gens qui sont de la région. Je sais qu'il y a Léa qui habite par ici. Enfin, voilà, qui suit beaucoup le blog. En tout cas, à très bientôt, les amis. Vraiment, dédicace à vous tous. Et on se retrouve à très bientôt sur YouTube. Restez connectés, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver sur la Calédonie. Et moi, je reprends la route direction Bordeaux. Allez, salut les amis!